espérer qu'il commence pas à faire des travaux là en plein pendant que je suis en train de filmer. Ça serait chouette, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, c'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être le book haul de février, mars, avril, à peu près. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et j'ai quand même. Il y a des mois où février et avril, j'ai pas acheté grand chose. Mars, par contre, il y a un bon petit paquet. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant tout faire en même temps. Et puis voilà, si c'est trop long, je couperai la vidéo en deux, mais je pense que ça devrait le faire si je passe pas non plus 30 ans à parler de chaque bouquin que j'ai acheté. Ça devrait le faire. On commence. On commence de suite avec le mois de février. Le premier, je me suis acheté le roman de l'an 1000 de Ramon Bazzagana. Je sais pas du tout comment on prononce, par contre, aux éditions Pocket. C'est le livre du mois de février, je pense, du club de lecture de Mango and Salt. Bon, je l'ai toujours pas lu. Voilà, je suis vraiment bien, bien, bien à la bourre au niveau des livres du club de lecture, mais bon, je l'ai acheté, c'est un petit poche, je me dis, je vais essayer de me trouver le temps à un moment donné pour pouvoir le lire. J'ai pris Le Parfum de Patrick Suskind, je sais pas du tout, aux éditions Le Livre de Poche, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai une de mes amies, pareil, qui m'en a parlé quelques fois, j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je crois que c'est un livre qui revient assez souvent, donc ben voilà, je l'ai trouvé d'occasion chez Emmaüs, à pas cher, je l'ai pris. Si vous avez vu mes anciens book hauls, je l'avais déjà expliqué que j'ai très envie de lire les différents livres de Stephen King. Donc à chaque fois que j'en trouve un d'occasion, j'essaye de me le prendre. Là je suis tombée sur Danse Macabre, donc de Stephen King évidemment, aux éditions J'ai lu. Alors ce que j'aime bien en plus c'est que les pages elles sont jaunies, donc je sais pas, ça rajoute un petit truc. Ensuite je voulais me prendre un petit livre parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à lire en ce moment, enfin ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et du coup, j'essaye maintenant quand je vais dans des livres, chez Zikash, chez Emmaüs ou les endroits comme ça, de tomber en fait sur des petits bouquins dont je sais que je vais lire quand même assez rapidement. Et c'est le cas du coup avec Lisbonne de Fernando Pessoa aux éditions 10-18. C'est un bouquin qui fait 115 pages. Voilà, il fait 115 pages, il est tout petit, donc le jour où je m'y penche dedans, je pense que je vais pas y mettre 3 semaines pour le lire. On continue avec Quand vous lirez ce livre de Sally Nichols aux éditions Fleuve Noir. Le truc qui m'a juste donné envie, bon c'est le titre déjà, le Quand vous lirez ce livre, mais le résumé il est très très court. C'est Je m'appelle Sam, j'ai 11 ans, je collectionne les histoires et les objets incroyables, j'ai une leucémie. Quand vous lirez ce livre, je ne serai peut-être plus là. Voilà, c'est, je pense que ça va être un roman très triste. J'en ai aucune idée, j'en ai jamais entendu parler, mais je sais pas, il me tarde de le lire quand même. Avant de lire les livres que j'ai pris du coup chez Emmaüs, il s'agit de La jeune fille au balcon de Leïla Sebar aux éditions Seuil. Donc celui-là, je l'ai lu au mois de mars ou au mois d'avril, je sais plus, au mois de mars je crois. Donc pareil, c'est un petit livre qui fait 150 pages. J'en parle pas maintenant, j'en parlerai dans un update lecture quand je trouverai le temps de le filmer. Mais bon, il est bien et pas et moins bien. Mais bon, ça va, ça reste une lecture agréable, on va dire. C'était pas non plus hyper pesant de devoir le finir. Et pour terminer du coup avec Emmaüs, ou Izika, je sais plus, je crois que c'était Emmaüs, je me suis pris Vengeance en Prada, Le Retour du Diable de Lorraine Weisberger, j'ai jamais su comment on le disait, bref, celle qui a écrit Le Diable s'habille en Prada, aux éditions Fleuve Noir toujours. J'ai vu le film du Diable s'habille en Prada, j'ai lu le livre, pas en entier je crois, parce que j'avais tellement le film en tête que j'ai pas réussi à finir le bouquin. Et j'avais vu que celui-là il sortait, le deuxième. J'ai pas spécialement entendu de retour, donc j'ai aucune idée en fait de s'il est bien ou pas. Surprise! On passe maintenant au mois de mars. Je me suis rendue chez Noz pour essayer de trouver, je crois que j'avais trouvé un tableau que j'ai accroché dans ma chambre. Et je suis tombée sur un livre qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, donc j'étais super contente de le trouver. Il s'agit de Meurtre pour Rédemption de Karin Gibel aux éditions Pocket. J'ai trouvé le pavé. Donc j'ai arraché le prix, mais il me semble qu'il était à 4,50 € ou quelque chose comme ça. Vu le pavé, je pense que ça va. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai très hâte. Je ne sais pas spécialement de quoi ça parle, parce que comme d'habitude, je ne lis pas les résumés. Pendant le mois de mars, en fait, je me suis rendue à différents endroits, différents Emmaüs. Donc les deux principaux, en fait, où moi je vais pour trouver des livres. J'étais trop heureuse parce que j'ai trouvé Juste avant le bonheur de Agnès Le Digue aux éditions Pocket. C'est un bouquin dont j'entends énormément parler, comme quoi il fait vachement pleurer. Mais bon, ça clairement ça me donnait juste envie de le lire. J'avais très envie limite de me l'acheter neuf, enfin version poche, je sais pas ce qui coûte le plus cher. Mais bon, là de le trouver à 50 centimes chez Emmaüs,
J'ai vite craqué, ou alors je n'ai pas du tout réfléchi. Enfin bref, je l'ai mis dans ma pile. Je me suis trouvé mémé dans les orties de Aurélie Valogne aux éditions Le Livre de Poche. Livre suivant, je me suis pris Le Liseur de Bernard Schlink aux éditions Folio. Voilà, c'est le titre hein, qui m'a fait craquer. Je sais qu'à un moment j'en avais entendu parler. Je crois que c'était Margot Liseuse qui en avait parlé. Je suis même pas sûre en fait. C'est fou, je dis des énormes bêtises. Mais bon, je sais que j'en ai entendu parler quelque part et je sais que justement ça m'avait fait tiquer dans ma tête. Donc pour ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, t'es celui-là, oui, j'en ai entendu parler, donc je vais le prendre. Donc voilà, il est dans le bocal. Livre suivant, je l'avais acheté pour ma sœur. Je sais même pas si elle l'a lu. Je sais que je l'avais acheté pour ma soeur, je l'avais trouvé pareil chez Emmaüs une fois, en grand format. Et je lui avais pris, parce qu'elle est fan de tout ce qui est policier, livre un petit peu d'horreur, des thrillers, enfin des trucs un petit peu, voilà. C'est Le Chuchoteur, alors j'espère qu'on va bien voir, parce que vu qu'il se reflète un petit peu partout. Il s'agit du Chuchoteur de Donato Carissi aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, il y a marqué que c'est édition collector, parce que clairement, il est trop canon, quoi. Il est... Je sais pas, franchement, j'espère qu'on voit bien. J'espère. Je me suis pris La Ligne verte de Stephen King aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'avais déjà. Non, je n'en avais pas en fait. C'est La Ligne verte, c'est une très grande histoire puisque c'est mon livre, mon film préféré et mon livre préféré. C'est le premier Stephen King que j'ai lu et c'est un film que j'ai vu il y a très 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 longtemps et c'est un film que à chaque fois qu'il repasse à la télé, je le regarde. Quand je ne sais pas quoi regarder, je l'ai sur mon ordinateur, je le regarde. Donc voilà, La Ligne verte et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et en fait, je me suis rendu compte, quand je l'ai trouvé, du coup, ça devait être chez Emmaüs, je pense, que je ne l'avais pas un livre. Parce que sûrement, en fait, la période où je l'ai lu une, deux ou trois fois, je sais plus, je l'avais emprunté à la bibliothèque. C'est pour ça que je ne l'avais pas dans les miennes. Donc c'est chose réparée maintenant. Je me suis trouvé le troisième et dernier tome de la série Crossfire, Enlace-moi, de Sylvia Day, aux éditions J'ai lu. Je peux absolument pas en parler puisque j'ai les trois tomes. J'ai le 1, le 2 et le 3. Que j'ai trouvé d'occasion pour chacun d'entre eux, que ce soit, je crois qu'en plus tous c'était Emmaüs, donc vraiment pas cher, mais je l'ai pas commencé en fait. Ce bouquin, je savais pas trop en fait si je le gardais ou pas, je le présente dans le bookhaul, mais je suis encore mitigée dessus, je sais pas du tout. Si jamais quelqu'un l'a déjà lu et l'a bien aimé, j'aimerais bien le savoir parce que je sais pas, je l'ai pris parce que sur le moment il me tentait, puis en fait quand j'y réfléchis, je me dis que ça fait une série de plus à commencer. Et j'ai pas spécialement besoin de ça. Il s'agit de Sœur Sorcière de Jessica Spotswood. Donc c'est le livre 1 aux éditions Nathan. Ça reste un univers quand même qui me plaît. Peut-être que je vais lire et que je vais accrocher et je vais faire en sorte de trouver les tomes suivants. Peut-être que je vais lire et que je vais pas accrocher. Donc je vais le laisser tranquillement dans ma bibliothèque sans lire la suite. Pour l'instant, je sais pas encore. Pour ce livre, j'étais trop contente parce que. Le dernier bookhaul, il me semble que c'est le dernier bookhaul que j'ai présenté. Mais de toute façon, je crois que j'en ai pas fait beaucoup non plus, hein, donc ça va aller très vite. J'avais trouvé une belle édition d'un livre de Stephen King, donc toujours pareil. Et là, j'en ai trouvé un autre. Il s'agit de Salem de Stephen King, bien sûr, aux éditions France Loisirs. Donc il est en hardback. Quand je l'ai trouvé, celui-là, il y avait la jaquette en fait dessus. Elle était bleue, je crois, il me semble. Et dessus, il y avait marqué que c'était une nouvelle version illustrée ou je sais pas trop quoi. Donc oui, c'est illustré, il y a quelques photographies à l'intérieur. Après, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Comme d'habitude, je vais arrêter de le dire parce que ça sert plus à rien maintenant. Et j'ai viré la jaquette en fait parce que clairement, elle n'était pas spécialement jolie. Et que du coup, l'autre livre que j'ai aussi aux éditions France Loisirs, donc il s'agit de Sac d'os. Ben comme ça, au moins les deux ils sont à côté dans la bibliothèque, ils sont pareils et voilà, je trouve que ça fait plutôt sympa. Le mois de mars n'est pas terminé, je l'avais dit que mars j'avais un petit peu plus craqué que les deux autres mois. Lors de la dernière rencontre qu'on a fait via le club de lecture, donc sur Toulouse avec les filles, j'ai pioché quelques petits noms de livres, quelques petits noms d'auteurs, histoire par-ci, par-là. Et je suis tombée sur Soi de Alessandro Baricco, donc il me semble que c'était Héloïse qui m'en avait parlé. Donc bah, du coup je l'ai pris. Aux éditions Folio, pardon, je l'ai pas dit. Je me suis pris Kiss de Jacqueline Wilson aux éditions Scripto, donc aux éditions Gallimard Collection Scripto. Toujours de continuer à acheter des romans jeunesse. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. En suivant, je me suis pris Noir Dessin de Carla Negers aux éditions Harlequin Collection Mira.
Comme d'hab, je sais pas de quoi ça parle. Par contre, l'auteur, j'avais déjà lu un livre d'elle. Il me semble que ça s'appelait La nuit du solstice. Et j'avais vachement. Ben, il est là. J'avais lu celui-là, donc La nuit du solstice, donc de Karl Anegers. J'avais vachement aimé. J'avais bien aimé la plume de l'auteur, j'avais bien aimé l'intrigue. Donc ben, là, quand j'ai vu. Bon, c'est un grand format, c'est pas grave, de toute façon, je l'ai pris chez Emmaüs, ça a pas coûté cher. Et j'ai hâte de voir si je vais aimer celui-là, en fait, autant que j'ai aimé. Bon, après, l'autre, c'était pas non plus le coup de cœur de l'année au moment où je l'ai lu, mais j'ai passé un très très bon moment de lecture, donc j'espère que ça sera le même cas avec ce livre-là. Pour terminer avec les livres d'occasion, pas pour le mois de mars, je me suis pris C'est ici que l'on se quitte, C'est ici que l'on se quitte, pardon, de Jonathan Tropper aux éditions France Loisirs. Là, le livre suivant, c'est un livre qui avait depuis un moment aussi sur ma wishlist, donc ça va, je suis assez contente parce que dans le bouquin, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bouquins qui étaient sur ma wishlist que j'ai acheté, donc c'est plutôt sympa. Il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Suzac aux éditions Pocket. Celui-là, par contre, je pense que je vais partir quelque part. Je sais que je pars à la fin du mois de mai, je pars à Paris. Il y a de grandes chances pour qu'il m'accompagne dans le trajet et que je le finisse en fait, très rapidement. Le dernier roman que j'ai acheté au mois de mars, c'est L'amour dans l'âme de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. J'ai pas lu non plus énormément, j'ai lu quoi? J'ai lu 120 pages, ben, pile poil 120 pages. C'est le livre du mois de mars. Oui, c'est le livre du mois de mars, j'ai des bugs, du club de lecture de Mango and Salt. J'ai eu beaucoup plus envie de lire celui-là que le roman de l'an 1000 dont j'ai parlé au début de la vidéo. Parce que voilà, ça c'est plus un roman qui se lit tranquillement en fait, qui se laisse passer. Et pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Je me suis acheté 3 livres qui me plaisent trop. Voilà, on peut pas dire ça autrement. Le premier, je vais en parler de suite parce que je pense qu'il s'est vu par là. Il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit aux éditions Gallimard, donc en français, parce que je l'avais acheté en anglais, je l'avais acheté en VO au moment où lui est sorti en français, donc c'était quoi? C'était au mois d'octobre, je crois, il me semble, à peu près, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je le voulais, celui-là en français, parce que je voulais déjà le lire en français, voir si j'avais bien tout compris, mais bon, au final, j'ai quand même tout compris dans la version anglaise sans problème, mais je le voulais quand même en version française parce que bon ben voilà, je reste quand même une collectionneuse, je reste une incontournable fan d'Harry Potter, donc c'était obligé que je me l'achète. Sauf que le problème, c'est que 21 euros pour un bouquin, en plus une pièce de théâtre, clairement où c'est écrit, mais j'ai l'impression qu'il y a 3 mots par page tellement il n'y a pas de texte, ça m'embêtait un petit peu pour rester poli. Tout comme j'ai très 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 envie de m'acheter Les Animaux Fantastiques, mais c'est exactement le même problème. C'est trop cher pour ce que c'est, je pense. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais c'est trop cher, 21 euros pour un truc comme ça, clairement, c'est juste du business, quoi. Et du coup, je l'ai trouvé d'occasion sur Price Minister, donc voilà, je l'ai payé 10 euros, ça va. J'aurais préféré l'avoir moins cher, mais bon, je pense que 10 balles à la place de 21, ça reste quand même très très correct. C'est mieux que moitié prix. Je suis passée chez Cultura. Je voulais me trouver un petit bouquin en fait de recettes de cuisine. Je savais pas trop en fait ce que j'avais. Je savais pas trop en fait ce que j'avais envie d'acheter. Si c'était des recettes de cuisine, si c'était des recettes de gâteaux, si c'était des recettes de smoothies. Et en fait, j'en ai trouvé deux. Bon, le premier que j'ai pris et que je m'étais dit c'est bon, c'est celui-là que je prends, c'est Green Smoothie Balls, donc la Bible. Green Smoothie Bowl, c'est le type de mot que je n'arrive pas à prononcer ça. Donc c'est 65, enfin le Green Smoothie Bowl là, 65 recettes pour bien commencer la journée aux éditions Marabout. Et le deuxième que je me suis pris, c'est un gros gros bouquin. J'étais trop contente de l'avoir trouvé parce que je vais cacher le truc parce que bon, quand même, voilà. Il s'agit du grand livre Marabout des grandes tablées, donc 250 recettes et menus pour la famille et les amis. Normalement, il coûte 20,90 €. Je dis bien normalement parce que, attention, j'ai réussi à trouver un prix soldé, un livre soldé chez Cultura. Neuf. J'en reviens toujours pas en fait. Parce que je l'ai eu à 7 euros. En fait, au final, je l'ai caché, mais je sais même pas si ça se voit. Je l'ai trouvé à 7 euros. Donc, c'est quand même un putain de bouquin. Pardonnez-moi l'expression, mais bon, c'est quand même un sacré bouquin de cuisine, quoi, j'ai envie de dire. Et pour finir, on va passer au mois d'avril. Donc là, ça va être rapide parce que j'ai que 4 livres à vous présenter. Il y en a 2 neufs et 2 d'occasion que j'ai trouvé à Emmaüs la semaine dernière. Parce que bon, là aujourd'hui, on est le 26 avril. Je pense pas y aller d'ici la fin de la semaine. Le premier, il s'agit toujours pareil
Sur les 4 livres que je vous présente, il y en a 2 qui étaient sur ma wishlist, donc ça en fait plaisir. Bon, après, ceux-là, je les ai achetés neufs, donc c'est pas au petit bonheur la chance de les trouver chez Emmaüs. Le premier, il s'agit du livre des Baltimore de Joël Dicker aux éditions de Fallois, Poche. J'avais très apprécié la vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'ai eu un bug là. J'avais vachement aimé cette histoire et du coup ben, j'avais très envie de continuer avec cet auteur. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là, tout simplement. Et bien je vais recommencer puisque forcément, encore une fois, comme la dernière fois, comme à chaque fois, j'ai ma batterie qui me lâche. Deuxième que j'avais pris, qui était aussi sur ma wishlist, il s'agit, si je l'attrape c'est mieux, du tome 2 du livre perdu des sortilèges. Donc là c'est L'école de la nuit de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Pourquoi j'ai acheté le tome 2 alors que je n'ai pas le tome 1? Tout simplement parce que j'étais partie au travail avec l'idée de me dire... J'étais partie au travail avec l'envie de m'acheter un livre avant d'aller bosser. Pourquoi? Je sais pas. Des fois ça me prend comme ça. Et je m'étais dit, ben tiens, je vais prendre ça. Sauf que, ben arrivé, je crois... Je sais plus si c'était à Cultura ou à Leclerc que je suis allée. Enfin bref, un des deux, ben ils avaient que le tome 2 ou le tome 3. Donc bon, plutôt que de repartir blasée parce que j'avais pas trouvé ce que j'étais venue chercher, ben j'ai pris le tome 2. Les deux derniers, c'est des bouquins que j'ai achetés chez Emmaüs la semaine dernière. D'ailleurs, le monsieur d'Emmaüs m'a dit « Non, mais t'en prends que deux, c'est pas normal. » Je dis « Ouais, ben là, j'ai pas trouvé beaucoup de choix, on va dire. » Et le premier, en fait, c'est purement pour satisfaire ma curiosité personnelle. Je tiens à le préciser. Il s'agit de « Trop vite » de Nabila Benatia aux éditions Robert Laffont. Voilà, je sais absolument pas de quoi ça parle, je pense que ça doit être autobiographique, je pense. Mais j'ai entendu aucun retour dessus, mais c'est un peu comme les bouquins de youtubeurs et de youtubeuses en fait. Ça reste vraiment très très marketing. Mais je suis curieuse, donc j'ai envie de me faire mon propre avis, j'ai envie de découvrir par moi-même, parce qu'en plus j'en ai pas du tout entendu parler. Du coup c'est pour ça que je l'ai pris, parce que clairement il m'a coûté 1,20€. Et le dernier livre de ce bookhaul, qui j'espère n'est pas trop long, si vous êtes encore là, c'est pas mal, merci. Il s'agit de Fleurs de fantôme de Michel Jaffe, bon vu que c'est blanc, j'espère qu'on voit bien, aux éditions Hachette, collection Black Moon. J'ai juste vite fait regarder le résumé, parce que c'est une histoire d'argent, pour 100 000 $ je crois. Voilà, 100 000 $ pour se glisser dans la peau d'une étrangère. C'est un marché passé entre deux personnes pour qu'une personne se fasse passer pour celle qui donne les 100 000 $. Sauf que forcément, ça ne se passera pas comme ça. C'est tout pour ce bookhaul des mois de février, mars, avril. J'espère qu'en mai, j'en aurai pas beaucoup et j'espère que je vais surtout réussir à filmer des vidéos assez régulièrement. Et d'ici là, en fait, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Alors je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.